donc je le ferai là bientôt. Quand je vais sur internet et que je tape dans un moteur de recherche, je tape Alizé, sûr qu'il y a des dizaines de sites qui s'affichent. Et moi, ça me touche énormément parce que je sais qu'un site, de construire un site, de s'en occuper, ça prend du temps. Donc c'est beaucoup de travail et moi, ça me touche beaucoup puisqu'il y en a beaucoup, énormément. Et ils sont tous beaux à leur manière et je remercie les fans de me consacrer énormément de temps. Donc beaucoup de gens me disent, il y a bien un jour dans la semaine ou un jour dans le mois qu'on se lève, on dit ben, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller travailler, des choses comme ça. Je lui ai fait la liste des choses dont j'en ai marre dans la chanson, donc il faut écouter la chanson pour le savoir. La dernière fois que j'ai dit j'en ai marre, c'est quand c'était à Paris, à cause de la pluie, parce que moi j'ai pas l'habitude, j'ai toujours vécu au soleil. Je sais que de merde, j'ai conscience que Lolita, ça me suivra toujours. Et puis j'ai été d'accord depuis le début, lorsqu'on m'a proposé la chanson, on m'a prévenu, on m'a dit, tu sais, Lolita, ça va te suivre toute ta vie. Tant que c'est pas vulgaire et que ça reste naturel et pur. Déjà, je prends des cours de danse, parce que c'est ma première passion depuis que je suis toute petite. Je prends des cours de boxe thaï parce que j'aime beaucoup ça aussi. Depuis que je suis toute petite, c'est bizarre pour une fille, mais j'aime beaucoup ça. C'est pas depuis la Coupe du Monde, c'est bien avant. Le premier match que j'ai vu, c'était un match placé à Ajaccio. Et j'en avais parlé dans les magazines quand on m'avait interviewé au tout début. Et donc, un dirigeant de l'AC Ajaccio avait lu ce magazine et pour me remercier d'avoir parlé d'eux, même s'il ne l'avait pas fait pour ça, m'a proposé d'être la marraine de la CA et donner le coup d'envoi l'année dernière pour le premier match. Je suis une fidèle supportrice de la CA. Il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on ne fait pas forcément le même style de musique, même style de chanson, on ne s'habille pas pareil. Donc le public a le droit d'aimer plusieurs personnes. C'était le concert de Madonna que j'ai vu au mois de juin de l'année dernière. Comme c'est une personne que j'admire depuis toute petite, c'est la première fois que je voyais un concert d'elle et que je la projette si près. Pire souvenir musical, je sais pas. C'est plutôt ma hantise, on va dire, de tomber sur un plateau télé, de rater une marche, mais pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé. Je touche du bois. Et il y a beaucoup d'émotions qui passent. Soit quand on l'écoute, soit quand on voit Mylène la chanter. Je me retrouve sur une île déserte. J'emmènerai avec moi le dernier album de Robbie Williams. À diriger vers la danse, comme je l'ai toujours rêvé. Puis sinon, si t'es pas dans le milieu artistique, ça serait l'informatique. À mon anniversaire, j'ai eu un cadeau que j'attendais depuis que je suis toute petite. Non, je rêvais depuis que je parle, on va dire. On va faire un petit chien. Voilà.